tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Insta contrôle ma séance. Donc aujourd'hui j'ai posté des sondages en fait parce que je vais faire une séance de longe et donc du coup je vous ai laissé le choix de tous mes équipements. Donc là on va regarder le premier sondage, enfin le un des sondages que je vous avais posté, c'était pour le pansage quelle licol je prends. Et donc vous avez voté à la large majorité pour le licol en cuir à 70%. De toute façon tous les sondages s'afficheront là. Donc c'est parti, on va aller chercher Navarre avec le licol en cuir. J'ai bien mis son licol en cuir comme vous pouvez le voir. Et là on va l'emmener à la douche parce que à 89% on a choisi le pansage complet. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Donc là je viens de le doucher, etc. Vous l'avez vu dans les plans juste précédents. Donc on est revenu à la barre d'attache. Donc là je vous ai posé la question, est-ce que je lui mets son chauffe d'eau avant la séance? Donc vous m'avez dit oui en majorité à 83%, donc on va aller le chercher pour lui mettre. J'avais mis qu'un pouce ou ça, donc du coup c'est pas très compréhensible, mais à 76% le pouce a remporté. Et vu que vous avez choisi énormément les oreillements et tout, donc on va partir sur le filet. Je vous ai posé également la question, si je longeais un filet, quel oreillement, donc le 1 ou le 2, donc vous avez le choix entre le gog ou les élastiques éducatifs. À 83% vous avez choisi le gog, donc c'est une petite manche qui va faire. Et je vous ai également proposé quel tapis prendre, vu qu'on laisse le back on track. Parce que plonge, est-ce que je lui laisse en chauffe d'eau? Vous avez été à 63% à dire oui. Donc du coup le tapis je n'en aurais pas besoin. Donc on va lui laisser son chauffe nuque et son chauffe d'eau. On va lui mettre son filet et son gog. On va partir pour la séance. Donc c'est parti. Aujourd'hui. Donc là je viens de finir de l'équiper, donc on va partir sur la séance.
Donc je vous fais quand même le OTT, je sais pas comment on appelle ça. Donc il a un courant qui fait 3 en 1, donc là c'est le polaire chez Felix Buller, un surfait chez Ice Horse que je vous présente plus, le Shadow Back on Track, un gog de chez RW, une moumoute de filet de chez Felix Buller, le Shadow Back on Track, et un filet qui vient d'une sellerie proche de chez moi, et un mort à aiguille en caoutchouc. Et on est... Il a un peu de mal par moment également à engager, mais il est très tonique, même un peu trop. Un peu de mal à faire les transitions descendantes, mais sinon ça va, il est génial. Airvol ou HDCP, et c'est HDCP qui a remporté à 54%, donc c'est ce qu'on va lui donner en récompense. On va y aller en direct. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il a fait une très bonne séance de longe comme vous avez pu le voir. Donc là il est décelé et on va passer à la routine après séance que vous verrez dimanche sur ma chaîne. Donc avant ça, n'oubliez pas de liker, d'abonner et d'activer la cloche pour savoir quand je passe une nouvelle vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos où je vous fais participer, parce que je trouve ça bien des vidéos où les abonnés participent. Bye bye!